Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, il est important de savoir que c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom, et ce n'est que par ce nom qu'on peut être sauvé. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous rappeler quelque chose. N'oubliez pas ce que je vais vous dire tout de suite. Ne faites jamais confiance aux gens par rapport à l'apparence. Ne faites jamais confiance aux gens par rapport à l'âge avancé qu'ils ont. Ne faites jamais confiance aux gens parce qu'ils sont vieux et ils sont déjà, ils ont des cheveux blancs. Ne faites jamais confiance aux gens parce qu'ils paraissent vieux et vous pensez qu'ils sont remplis de sagesse. Faites attention aux vieilles personnes. Elles sont malicieuses. Elles sont même plus dangereuses que les jeunes. Les vieux de notre temps et de notre époque sont des plus capricieux que vous ne pouvez imaginer. Les vieux de notre époque sont les plus irresponsables que vous pouvez imaginer. Ne faites pas confiance à leur âge. Ne vous dites pas que comme ils sont vieux et fort avancés en âge, c'est des personnes intelligentes et des personnes remplies de sagesse. C'est des brigands, c'est des malhonnêtes, c'est des malveillants. La plupart des vieux, je dis bien sûr 100% des vieux qui existent, il y a 90% qui sont des malveillants. C'est des profiteurs. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous rouler. Ils sont prêts à vous rouler. C'est de la roubladise que vous voyez là. De l'ancienne roubladise, de la vieille roubladise que vous voyez. Ne faites jamais confiance aux gens parce qu'ils sont vieux et vous pensez que comme ils sont fort avancés en âge, vous pouvez les faire confiance. Vous allez regretter amèrement ce qu'ils vous feront. La vieillesse là n'est pas un signe de sagesse. La vieillesse là n'est pas un signe de bon sens. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux que vous devez les faire confiance. Faites très attention et comprenez bien ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine.